Les initiations, comme un mythe, rendent l'impossible possible. Or, le béaba de l'analyse du mythe, si tant est qu'on puisse, chez Lévi-Strauss, si tant est qu'on puisse la résumer, et que moi je prends dans ce fabuleux bouquin de Godelier sur Lévi-Strauss, hein, sur Lévi-Strauss, pouf, il a tout lu trois fois ou il a tout lu quatre fois, c'est un Lévi-Strauss mode d'emploi, et quand il y a un doute, il explique où est le doute, et voilà. Je trouve ça merveilleux. Donc, citation de Lévi-Strauss à l'appui de Godelier voyant Lévi-Strauss, où moi j'ai eu la chance inouïe d'avoir comme professeur de structuralisme, si j'ose dire, Jean Pouillon, qui était donc très proche de. Et ça, c'était dans les années 72, 73, 74, donc là c'était tout chaud. On a eu beaucoup de chance. Bref, non seulement on rend l'impossible possible, on résout des problèmes, on règle le problème. Le problème, c'est les femmes sont ce qu'elles sont, mais il faut quand même se rapprocher d'elles pour faire des enfants, ce qui n'est quand même pas trop simple. Et elle le fait en jouant sur les distances, comme certains mythes ou comme le mythe. Hein. Il faut une disjonction de la mère et de l'enfant, dans laquelle la matérialité joue un rôle crucial. Et ensuite de ça, il faut réussir, après avoir recréé des enfants différents, qui sont des petits hommes courageux, solides, costauds, très forts, et tout ce qu'on voudra, transformés dans leur esprit, dans leurs relations, dans leur peur, dans leur corps, dans leur force, dans leur rapport au soleil, dans leur rapport entre eux, entre initiés, co-initiés, et toutes différentes classes d'initiés. Et il faut quand même les réinjecter dans le monde féminin pour qu'ils puissent avoir une sexualité et une vie, et se marier, et tout ça. Bon. Dans le même temps, ça doit faire des transformations dans le monde des femmes, ou entre les hommes et les femmes. Pour les encaver, on a une sorte de, pas d'initiation, mais de construction du statut féminin ou de je ne sais quoi féminin dont Pascal peut parler. Et chez nous, on ne sait pas encore bien les relations. Enfin, chez les Barouillas, le dépouillement n'est pas encore tout à fait construit. Et l'idée, c'était que cette. Donc, dans les initiations, on tue les gamins à un moment fondamental, on les sépare de la mère et on les sépare. Je vais revenir d'une façon à mes yeux extraordinaire, parce que c'est physiquement, c'est pas symboliquement. On les sépare, on les arrache à la mère. Hein. La mère les conduit à l'endroit où ils vont être flagellés, et ensuite de ça, ils partent dans la forêt et ils ne reviendront pas auprès de leur mère. Ils ne la regarderont pas pendant 8 mois ou 1 an, ils ne lui parleront pas pendant 1 an ou 2 ans. Et quand ils pourront parler avec elle, ils ne pourront pas manger en sa présence pendant des années et des années. Ça, parler, c'est jusqu'au premier enfant. Je fatigue et je simplifie. C'est d'une rupture absolument effarante. Or, comment se fait cette... Bon, il y a cette rupture, petit 1. Et petit 2, on les a tués, on les fait renaître avec une autre variété de sel. On commence, on fait naître on déclenche la nouvelle maturation, Il n'y a plus d'homosexualité ritualisée. Dans le temps, pendant que les gamins étaient à la maison des hommes, pendant 4 ou 5 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, ils absorbaient du sperme des gens du stade juste au-dessus d'eux. C'est fini depuis le tout début des années 60. Et ce qui est extraordinaire, c'est 60, disons, on va dire, 61, si vous voulez, 71, 81, 2001, 2011. Pendant plus de 40 ans, les initiations Barouilla ont fonctionné sans insémination, sans Boys Inseminating Practices. Ok, très bien. En revanche, les hommes savent très bien monter au pied d'un... faire une grande plateforme au pied d'un autophagus, récupérer la sève et la manger pour remplir leur sac à sperme. Ça, c'est... Et dans le même temps, c'est une troisième impossibilité liée aux initiations, mais celle-là, elle est créée de toutes pièces. C'est le moment où, je vous disais tout à l'heure, à un moment, Godelier nous racontait, vous avez pleuré ensemble, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands, vous appellerez plus par votre prénom, vous appellerez co-initié. Je vais chez les encavés, donc ça c'était Maurice dans les années 72,
En 94, je vais chez les Ancavés, et même si je parle l'Ancavé comme une patate, j'étais assez grand pour comprendre qu'il n'y avait plus de petits, il n'y avait plus de grands, parce qu'on avait pleuré ensemble. La même phrase chez des gens qui sont à 5 jours de marche, qui ne s'intermarient plus depuis 1000 ans. La même phrase et la même logique. Sauf que chez les Barouillas, puisque c'est des sociétés différentes, en tout, en beaucoup de choses, chez les Barouillas, on les enferme dans une maison cérémonielle qui a des grandes antennes dans laquelle ils passent toutes les nuits. On chante, on envoie par les chants sont portés par les rombes qui sont les flèches des êtres du rêve, dit Maurice, des esprits sauvages de la forêt, c'est-à-dire des esprits qui sont pré-humains, qui vont aux confins du territoire des Hangas, aller voir non pas les esprits des arbres, mais les esprits qui vivent dans les arbres, en leur demandant de bien vouloir revenir. On chante les noms des forêts, les noms des rivières, les noms des rochers, toutes sortes de balises, jusqu'aux deux antennes qui leur permettent de pénétrer dans la Mukanga, la maison pendant la Muka, à l'intérieur de laquelle il y a comme des petits escaliers pour qu'ils descendent. Ils peuvent prendre leur temps de regarder. Et tel et tel esprit, tel ou tel, c'est moi qui dis, prennent leur temps de regarder. Mais ils sont là, ils approchent par étapes. Et tel esprit sont comment on appelle, des esprits familiers. Tel va s'attacher à tel gamin, et lui, c'est un esprit familier de chaman. Tel va s'attacher à tel gamin, et lui, c'est un esprit familier de grand chasseur de casoar. Tel va s'attacher à un autre gamin, et lui, c'est un esprit de grand guerrier. Autrement dit, dans cette maison dans laquelle les petits sont en train d'expérimenter pour la première fois, on mange ensemble, on se tourne contre le mur ensemble, on se tait ensemble, on baisse la tête ensemble, on sort ensemble, on allume le bois, on cuit plus tard, on cuit ensemble. Ils font tout ensemble comme ce bloc solidaire de gamins nouveaux qui vient d'être créé. Et en même temps, il y en a un qui devient chaman, il y en a un qui devient grand guerrier. Donc cette machine, elle est le réceptacle de la maison, il est l'endroit où la contradiction est vécue, arrive, elle est construite. C'est une injonction contradictoire, c'est un résonateur. Et l'idée, et d'ailleurs, Gilbert Herd dit quelque chose comme dans le creux des relations transformées à la mère, alors naît un attachement, c'est une autre histoire. Une hypothèse, c'est le meilleur moyen de prendre encore plus de distance avec la relation avec la mère et à se préparer à avoir une autre relation avec les femmes, indépendamment de prendre de la force de guerrier, du sperme et tout ce qu'on voudra, c'est effectivement d'avoir une autre relation qui va vous occuper la tête tous les matins, à savoir, il paraît qu'on est tous semblables, mais moi je suis quand même, le but de l'opération, c'est que je sois différent des autres. Ça, c'est pas de la table. Soit dit au passage, cette maison, elle est bourrée d'esprit, mais c'est une maison. Elle ne fonctionne pas grâce aux ancêtres. Elle ne fonctionne pas grâce à une formule magique du maître des initiations. Au contraire, le soleil n'a rien à foutre là-dedans, plus rien à voir. Rien. Lui, il est capable de repérer quel indice. Ah, ça, c'est une plume de ça, ce sera un chasseur de casoar. Ça, c'est une flèche de machin, c'est le bois dont on fait des flèches. Donc, oui, c'est ça, c'est l'arum spontaneum dont on fait des flèches. Par conséquent, ce sera un grand guerrier ou je ne sais pas quoi. Mais il n'a aucun rôle, il est bras croisés. Il montre au contraire, il montre tous les enfants la limite du pouvoir entre ces grands hommes. C'est un grand homme à tous les moments, Godelier le dit toujours, bien sûr, mais il est là, c'est lui qui a l'objet, mais ses cousins sont autour de lui pour lui rappeler que tu n'es que le détenteur temporaire, tu n'as pas pu t'élever au-dessus de nous, etc. Là, les gamins, ils les voient. Ils voient même que les chamans bossent dans la maison aussi, ils ont fait en sorte qu'on ne soit pas malade en même temps, mais les esprits, ils viennent où ils veulent. Cette maison, elle n'est pas pleine d'ancestralité, c'est une maison. Voilà ce que j'appelle, mais j'ai un autre exemple beaucoup plus beau, voilà ce que j'appelle un type de rôle de la matérialité, un rôle central de la matérialité dans la construction d'un imaginaire social, qui n'est pas symbolique. Après, mon autre exemple, c'est sur le moment de la rupture avec la mère. Je remonte en arrière dans le temps d'initiation. C'est tout à fait spectaculaire. Les mômes, dans le temps, ils étaient fouettés par leur mère ou par des femmes. Les femmes qui sont des mères, la mère des uns et la mère des autres, hein, ils sont fouettés par des mères avec des épines qui leur faisaient saigner les jambes et le dos, explicitement pour expulser le sang de la naissance ou le sang maternel ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, cela n'existe plus. N'empêche que c'est les mères qui les amènent. Mon petit chéri, il faut que tu y ailles. Bon, mais fouetter, hein, les Anglais ont une expression qu'on n'a pas, nous, run the gauntlet, courir entre deux rangs de types qui fouettent. Très bien. Ensuite, donc,
En termes de maman dans qui j'ai confiance, c'est elle qui m'amène au bourreau, comme dit la chanson. Voilà. C'est des mères qui fouettaient physiquement. Et ensuite de ça, je vais devenir un Yevemboaï. Un Yevemboaï, c'est le nom des initiés. Pendant les initiations, c'est des moukas, ils sont dans une mukaanga, une maison mouka, et à la fin, ils deviennent des Yevemboaï qui habitent une kualanga, la maison. On lui a retiré son feu magique et on lui a retiré ses antennes. C'est devenu une maison des hommes tout à fait ordinaire. Je lis la psychologie de l'attachement de l'enfant. Bowlby. C'est quoi la base de l'attachement? Le regard, le toucher et la confiance. La confiance, elle est détruite physiquement. En fait, touché, je suis fouetté par moi ou par des substituts, donc le maternel, enfin, le comment ça s'appelle, le parrain, c'est une mère masculine, on est bien, d'accord. Et j'arrive au regard. Yevemboaï, il a une cape d'écorce. On lui met une cape d'écorce sur la tête. On lui met une ceinture. On lui dit, tiens-toi comme ça, regarde tes pieds, ne lève pas, cache-toi des femmes. Bien sûr, c'est une seconde peau. Bien sûr, ça va le tenir au chaud pendant que je ne sais pas quoi. Hein, la collègue qui prétend qu'on les hisse des sèches. Moi, je veux bien. Je dis, bah oui, on n'a jamais rien dit, c'est tout. Peut-être que c'est vrai, je les ai coyés. Et là, ils n'ont rien dit. Mais la cape d'écorce, elle fait quoi? Elle cache. Au moment où elle est efficiente dans le rituel, c'est-à-dire au moment où elle est des trois éléments, selon les psychologues, qui rompent, qui foutent en l'air, qui annihilent violemment le lien d'attachement, elle est simplement un objet qui cache le regard. Elle n'est pas symbolique, elle est matérielle. Ah. Alors là, ça renvoie à des combats sans nom, qui sont toujours pas terminés, parce que le technique est dans le social, hein. Il y a style et fonction, tout est mélangé, il ne faut surtout pas distinguer, mais s'il faut distinguer, il n'y a pas une tranche du technique avec du social par-dessus. Et là, je viens de parler de 30 ans de débat avec la Tour et 30 ans de débat avec d'autres, et des numéros spéciaux de la revue, la merveilleuse revue Technique et Culture. Donc ça, pour arriver à le voir, donc je ne suis pas du tout en train de dire du tout une sottise telle que il n'y a pas sur les 100 plantes, j'ai repéré 100 plantes, enfin j'ai 100 plantes, grâce à Godelier, grâce à Dalhomme, grâce à moi, grâce à. Il y a 100 plantes dans l'initiation Barouya. Il y a une centaine de gestes, il y a une centaine d'objets. Puis il y en a un qui est plus important que les autres, on est bien d'accord, le Koh-i-Matnié. Mais quand on y pense, il fait quoi le Koh-i-Matnié? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un étui. On ne voit pas à l'intérieur. Il est serré. Il est compressé. Il compresse littéralement l'os de l'aigle avec lequel on va frapper les gamins sur la poitrine après l'avoir agité en direction du soleil. Le ruban qui l'enserre, qui est la route du soleil. Vénus, qui est ceci, cela. La noix magique, qui est cela, cela. Le truc qui est à moitié masculin, qui est masculin féminin. Ce qui compte, c'est mon hypothèse dans ce résonateur, c'est que c'est compressé, c'est littéralement, c'est un condensé. On parle de condensation rituelle, mais là les symboles sont condensés, c'est des symboles condensés. Mais ce qui compte, si le résonateur fonctionne comme je pense, j'espère ou je propose qu'il fonctionne, c'est qu'il soit condensé. C'est leur contact physique, c'est leur contact caché. Donc j'ai plusieurs exemples comme ça d'objets rituels. Bien sûr qu'il y a du sens partout, merci beaucoup, ça n'est pas vraiment une surprise, hein. Mais on sort de l'interprétation, là j'en veux à mes collègues. Les gens sont contents quand ils parlent de culture matérielle, notamment dans les Material Culture Studies, bon, si je caricature, c'est très très bien l'anthropologie de la consommation. C'est pas un marxiste ou ancien marxiste qui va dire que c'est pas bien. Comment circulent les biens, pourquoi ils circulent, à qui ils circulent et comment ils circulent, et je sais pas quoi. C'est tout à fait formidable, très bien. Mais les gens sont heureux quand ils essayent de comprendre pourquoi mon canapé, fais-moi voir ton canapé, je te dirai qui tu es, ou n'importe quoi. Il y a des centaines de travaux. Excellent. Et les gens disent, oh, mais tu comprends là. Ça fonctionne sur le mode iconique. Non, non, mais là, c'est indexical. Le jour où on connaîtra suffisamment, on mettra la boîte à objets matériels qui fonctionnent de façon iconique, indexicale ou symbolique, et qu'on essaie de voir ce qu'il y a en face, ça aura un intérêt. Mais pour l'instant, ce n'est pas la fin du travail. Ça n'a aucun intérêt.
C'est comme si, je prends un exemple qui m'est familier, je veux comprendre la tenue de route d'une automobile de compétition. Il y a le châssis, il y a les ressorts, il y a les amortisseurs, il y a les pneumatiques, il y a le centre de gravité, il y a la rigidité du châssis, et plein d'autres choses, plein d'autres choses. Et je dis, je suis heureux de dire, ah, ce sont des Michelin, et d'ailleurs, il y a un bibendum gonflé d'air, ce sont des Firestone, et d'ailleurs, il y a une flamme. Mais j'ai rien dit quand j'ai dit ça. Rien. Alors que quand on se dit, peut-être que quand on coupe le regard, c'est un rapport avec Bowlby, peut-être que quand on enferme des gens, alors il y a des gens qui vous diront, mais c'est de la coprésence. Oui, c'est de la coprésence. Et donc, coprésence, et il se passe quoi? Coprésence, et je vois que les autres sont qu'on est tous traités de la même façon. Mais je vois qu'en même temps, il y en a d'autres auxquels on est en train de dire, tu seras un grand chaman. Donc je ne suis pas en train de faire une anthropologie des techniques non... Bon, le béaba des techniques, c'est d'abord que ça laboure, que ça fabrique du Coca-Cola, des voitures, etc. Mais il y a une dimension entière des techniques. C'était l'intérêt de ce livre, paraît-il, de ce livre Technological Choices. C'était, bah, il y a un arbitraire. Alors, les acteurs, la théorie de l'acteur réseau, Latour, Akrisch et Calon, et James, John Law, James Law, je ne sais plus, beaucoup. Tous ces gens-là ont montré que l'électrification, le guidage des missiles balistiques, et les centrales nucléaires et tout ce que vous voudrez, c'est pas lié par une histoire technique des techniques visant une efficacité absolue. C'est plein de relations sociales avant, pendant et après. Ce qu'ils ont un peu de mal à comprendre, c'est qu'une fois que c'est là, ça devient une contrainte. Le mot contrainte est très très mal vu. J'ai plein de collègues. Le système technique étant ce qu'il est, pour l'instant c'est une contrainte, si je ne sais pas faire autrement. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, bien sûr que le tout est dans tout, que les choses... Là, c'était montrer qu'il y avait une part d'arbitraire. Je crois que la citation première, c'était les pilotes anglais de la RAF qui, avant la Seconde Guerre mondiale, à la différence de toutes les autres aviations militaires de la planète, se posaient au moteur au ralenti. L'idée étant d'apprendre à se poser en cas de panne de moteur. Et le type qui parle de ça, c'est Jeffrey Quill, c'est le pilote d'essai, chef pilote d'essai avec Henslow, un autre, il y a deux, chef pilote d'essai de Spitfire pendant la guerre. Donc c'est un monsieur qui connaît à la fois l'aviation, les Anglais, etc. Et il dit en se marrant, les Anglais se sont évidemment posés power on quand ils ont eu marre que les gens se tuent en essayant de... Pour la petite anecdote, j'ai fait un exposé là-dessus à Cambridge il y a 25 ans, il y avait Stephen Hugh Jones dans la... Et Stephen Hugh Jones, qui lui pilotait un de Havilland, un Sopwith Camel, disait, mais je me pose toujours au ralenti. Et ça allait avec l'avion. Fin de la parenthèse. Hein. Et l'autre truc, c'était les je ne sais plus, deux groupes de Mélanésie. Il y en a qui ils s'attaquent en canot. Il y en a qui ont des boucliers et les autres n'ont pas de boucliers. Et ceux qui n'ont pas de bouclier disent « Ah, les couillons, ils n'ont pas de bouclier !» Et ceux qui ont des boucliers, et les autres disent « Ah là là, ils sont tous empêtrés dans les boucliers !» Choix technique arbitraire, c'est-à-dire, on a bien compris qu'il y avait une dimension... Si la tour hurlerait s'il m'entendait dire qu'il y avait une dimension sociale dans la technique. C'est évident, c'est dedans, c'est mélangé. N'empêche que, il y a des... Le programme de Marcel Mauss, c'est des actions matérielles, senties, imaginées comme telles, physiques ou chimiques. C'est pas « qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est « qu'est-ce que ça fait ?» Et je me bats pour ça, mais je suis totalement, totalement minoritaire. Cet autre livre sur les techniques, avant de dire deux mots, mais je crois que je te dis deux mots sur l'initiation, cet autre livre sur les techniques, Elements for Anthropology of Technology, c'est simplement l'état de mon boulot dans les années 90. J'ai donc expliqué ce qu'est une chaîne opératoire, ce qu'est un système technique, plus une nullité. Et l'horreur, c'est que la nullité reprend un article, publié dans le Journal of Anthropological Archaeology en 1986, qui doit s'appeler Towards an Anthropology of, je sais pas quoi, of Techniques. Je vais y revenir dans 30 secondes, parce que c'est l'article le plus citio que j'ai écrit. C'est celui qui est le plus cité, mais on a, je sais pas, 400, 500. Et après, c'est terrifiant. Donc j'en reviens là. Chaîne opératoire. Alors chaîne opératoire, mes collègues de technique et culture viennent de sortir un super numéro qui s'appelle Technographie, dans lequel il y a des fiches détachables, et je crois que c'est sur la chaîne opératoire. Alors, chaîne opératoire, il n'y a rien à théoriser, si ce n'est qu'on ne sait pas ce qui va être pertinent dans une action technique. Alors, il y avait à théoriser, nous... celui qui aurait dit en 1975 dans l'équipe technique et culture, celui qui aurait dit les esprits participent à la chaîne opératoire, il était viré de la salle.
Bon, maintenant, on sait que les esprits participent, notamment grâce au boulot de Ludovic Coupaille. On sait qu'il y a des esprits en forme de ver de terre qui font pousser les ignames géantes chez les abélames de Nouvelle-Guinée. Donc, bien sûr que les esprits sont là. Maintenant, on le sait. Non seulement l'état d'esprit, mais l'état d'esprit aussi. Si les gens sont bien entre eux, ça pousse bien. S'ils s'engueulent, ça ne pousse pas. Bon, d'accord. Ça, on ferait rentrer ça. Mais la chaîne opératoire, c'est un pense-bête. Il faut tout y faire rentrer. Alors, vous allez me dire, mais tout y rentre jusqu'à l'âge du capitaine et jusqu'au soleil. Ben oui, mais c'est votre boulot de savoir ce qui rentre dedans ou pas. Chaîne opératoire, il n'y a pas écrit des articles théoriques sur la chaîne opératoire. Il y a à dire aux étudiants, demain matin, quand vous préparerez votre thé, votre café, votre banania, votre ricoré, essayez d'écrire la chaîne opératoire. Et au bout de 4 jours, ils diront, j'y arrive pas. Et ils viendront, ils diront, ça commence quand? Ça se finit où? Si j'ai pas de lait en poudre, mais j'ai du lait en bouteille, est-ce que c'est une variante? Et si j'utilise un mug au lieu d'utiliser une tasse, j'utilise un bol? Vous avez mis le doigt, vous avez tout compris. Ce qui est pertinent, c'est ce qui vous intéresse et ce à quoi vous allez pour faire du sens. Et vous faites rentrer dedans ce qui est pertinent, ce qui vous intéresse. Et puis quand vous l'aurez fait sur un cas réel, vous allez vous apercevoir au bout d'un moment à quoi correspondent les variantes, c'est fondamental les variantes, et qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Et puis vous allez voir les étapes. Chez les barouillages, j'ai décrit, je vais venir au système. Chez les barouillages, j'ai décrit l'initiation, le premier stade, là, sur lequel je travaille depuis plusieurs années, comme une chaîne opératoire. Pas du tout que le rituel soit une technique. Si on dit ça, c'est qu'on n'a rien compris. La comptabilité, c'est pas une technique. Le rituel, c'est pas une technique. La sorcellerie, c'est pas une technique. Ça, sinon, c'est Alfred Gell. J'ai rien contre, mais ça noie la technologie culturelle. Si vous dites que la parenté est une technique de production des enfants et que la magie est une technique de, comment il dit, de fabrication du... Je ne sais plus, son papier, là, je suis fatigué. Tout est technique, bonsoir chez vous. C'est comme les économistes dans le temps qui disaient l'économie, c'est les moyens fins et les moyens limités et les fins multiples. Bah oui, donner le sein, c'est un moyen limité, surtout si tu as 3 mots, etc. Mais c'est tout, il fallait quand même se mettre d'accord sur quelque chose. La technique, c'est ce que Marcel Mauss a défini comme tel. Il y a une action matérielle. Et tout ce qui vient après, avec, on le fait rentrer dans une chaîne opératoire. Ce qui est pertinent, ça va tomber ou pas. La notion de système, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois une technique, c'est un système entre plusieurs éléments, du savoir, un objet, des gestes, de tout ce que vous voudrez, une matière, un truc sur l'agité, sur lequel on va agir, très très bien. Et puis les techniques entre elles forment système, mais personne n'a jamais montré, sauf les historiens comme Bertrand Gilles. C'est tout. Vous avez un article sur l'aluminium, comment l'aluminium remplace le bois dans l'aviation. Là, il y a un bout de système technique. Mais les mêmes systèmes techniques, que ce soit en Amazonie, en Afrique, chez des gens qui ont une société non industrielle, personne n'a jamais montré quel principe élémentaire d'action sur la matière se combinait ou non avec un autre et comment. On sera ravis de le savoir le jour où il y aura des ronds pour aller décrire ça, et le jour où les gens seront convaincus. Le jour où il y aura des fonds pour décrire ça, et le jour où les gens seront convaincus que ça vaut la peine de le décrire. Et puis l'autre problème, c'est que entre ces renvois de matières premières, de gestes, de savoirs, de pensées, de représentations, de tout ce que vous voudrez qui forme le système technique et le reste du système social, ben, y a des ponts à tous les moments. Pas question de faire un pagne féminin avec cet arbre-là, parce que, avec l'écorce de cet arbre-là, parce que, mille et une, mille et une, mille et une. L'aluminium a eu mauvaise presse, je pense à ça, parce que c'est un article que j'ai lu un jour. Quand on voit les efforts, le génie développé par les gens qui faisaient des avions en bois pour surtout pas les faire en aluminium, alors quelle évidence, enfin, en aluminium, en dur à l'humain, je ne sais pas quoi, c'était vachement mieux. Les représentations jouent, toutes les écoles, enfin bon, toute la tour et tout, la sociologie d'innovation ne montre que ça, on est bien d'accord. Alors c'est dans le technique, le technique est totalement social, c'est dans le social sans y être et tout en y étant. Mais si tout est symbolique, on va se coucher, quoi. C'est pas possible. C'est pas parce que c'est Mauss, c'est parce que ça marche. Si je veux comprendre la rupture, l'arrachement des enfants, je peux me contenter de dire on arrache les enfants par une violence inouïe et une violence psychique inouïe. Quand tu vas pas reparler à ta mère pendant 8 ans, ou je sais pas combien, c'est d'une... qu'à voir la tête qu'elles font, les mères et les sœurs, quand les enfants s'en vont. Ah là là, bon. Et si on dit, mais au fait, physiquement... Physiquement, on les fait saigner, on les fouette, on les met à distance, ça c'est aussi physique, et puis on les empêche de voir. Il ne s'agit pas de dire vous ne regarderez pas, il s'agit de vous mettre un capuchon sur la tête. Ça, c'est bien. Donc là, il y a des tensions certaines avec un certain nombre de gens qui me diront toujours, mais si la maison cérémonielle Mukanga, elle veut dire la maison qu'on utilise dans les... Oui, effectivement, c'est les ancêtres qui ont dit qu'il fallait utiliser cette maison-là.
Mais pendant le rituel, elle signifie rien. Elle est un mur, une charpente, un sol, tant de mètres carrés pour tant de personnes, et c'est là que vous êtes simplement rassemblés. Du moins, c'est ma proposition. Je pourrais dire deux mots sur la revue Technique et Culture, qui est quand même formidable aujourd'hui. Donc, c'était la revue créée par notre équipe en 1976 ou un truc comme ça, qui a changé je ne sais combien de fois de format et de statut, et qui est maintenant une revue qui, sous la dynamique d'un type qui s'appelle Frédéric Julien, qui est un primatologue au départ, a été ouverte aux historiens, dont des camarades belges, Bartholins ou les camarades parisiens. Dietmar, les historiens du Moyen-Âge, qui savent autant d'anthropologie et techniques qu'on en sait, des primatologues, des philosophes de l'art, des sociologues de l'art, des gens qui font du design. C'est absolument extraordinaire. Mais il faut quand même rappeler de temps en temps l'ancrage chez Marcel Mauss, parce que sans quoi on tombe dans les matériaux de quelque chose. C'est-à-dire, c'est passionnant, c'est absolument passionnant, hein, moi, le rôle des ours en peluche dans les couveuses, ou mille choses. Je ne lis pas le journal of Material Culture tous les matins. Mais si vous partez si vous filez avec j'ai des collègues qui sont heureux, ils disent oui, oh ben Jell a montré une fois pour toutes que la technique, c'est le détour. D'abord, vous m'expliquez ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça, c'est une œuvre, machin, il y a des intentionnalités cachées, tout ça. Mais là, il n'y a pas d'intentionnalité cachée. Dans un piège à anguilles, il n'y a pas d'intentionnalité cachée. Les ancêtres n'ont pas dit on sera là puissant pour vous donner les anguilles. Non! C'est l'ethnologue qui dit ça. C'est l'ethnologue. Je sens les ancêtres. Visiteur standard du musée du Quai Branly. Ah chérie, dans cette statue maori, tu sens les ancêtres. Si vous sentez les ancêtres maoris et vous n'êtes pas maori, ça m'inquiète. Enfin, je sais qu'il y a des émotions artistiques, vous sentez quelque chose. Mais si vous sentez les ancêtres, c'est quand même un peu embêtant. Les gens partent là-dessus. Ils sont c'est extrêmement inquiétant. Puis Jell, c'est sensationnel pour l'anthropologie de l'art, pour l'anthropologie de la technique. Donc c'est pour ça que je précise bien que si les techniques sont une chaîne opératoire qui transforme comme un morceau de bois en un sabot, là elles transforment des petits initiés en des initiés différents dans leur corps, dans leur esprit, dans toutes les relations que Pascal Bonnemère a montrées dans le cas des Ankabé. C'est simplement un processus par étapes qui sont nommés. Les gens les nomment, ils te disent quand ça commence, ils disent quand ça finit. Ils les nomment et disent ce qui se passe pendant. C'est quand même formidable. Mais alors, mon dada sur les initiations, dont je parlerai dans une minute, mon dada dans les initiations, c'est aussi la lutte systématique contre les monomanies. Ça, il ne faut pas être monomaniaque, même si avec les crédits qu'on a, c'est plus pratique.